Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming pour un nouvel épisode de Surviving the Aftermath. On est sur un reboot, on est clairement sur un redémarrage, ce que malheureusement la partie a planté côté exploration, ce qui évidemment devient du coup injouable. On dira que cette colonie a été perdue et que du coup le temps s'est écoulé, la nature est beaucoup plus clémente, le pire est derrière nous. Voilà, ce genre de choses, tout va bien dans le meilleur des mondes, les gens sont alignés, franchement voilà, voilà. Et du coup on est sur quelque chose de plus paisible. Allez, on est voilà. Ah, on est sur un nouvel espoir. Ah, on est sur un nouvel espoir. Oh, on est sur un nouvel espoir. New Hope. Voilà. Ça s'appelle New Hope. Pour des meilleurs lendemains. Alors non, c'est pour deux meilleurs lendemains. Voilà. Vive la France. Et le français. Et on démarre. Donc du coup, on est sur une partie tranquillou, easy life. On va pas forcer. On va déjà essayer de bien s'organiser. Genre, on va essayer de commencer par ça, ça sera pas mal. Ça va déjà être cool. On va voir d'ailleurs la répartition des ressources un peu. Mais c'est dommage, il manque des petites choses. Je trouve qu'il n'y a pas de gestion combat militaire ou la possibilité par exemple de gérer la quantité de marchandises que peut transporter un mec au début. Ce qui fait que littéralement, je veux dire, si tu forces pas, tu peux tout à fait avoir un gars, si t'as de la chance, qui fait juste des tours de map et il revient avec un million de trucs. Ce qui devient improbable. C'est peut-être un petit regret ou le fait de ne pas pouvoir développer un véhicule. Alors après, je ne suis pas allé voir peut-être assez loin. Yes, donc voilà. Notre bunker, moult truquerie, moult trucasse. Pose tout de suite de l'eau. Tout de suite de l'eau. Je sais pas trop comment je gère, mais je l'ai géré. Tout de suite de l'eau, tout de suite de l'hébergement d'urgence, bien sûr, hein, comme on aime tant en avoir. Voilà. On a 8 colons, donc 8 colons, donc 8 colons. Ok. Il nous faut le petit champ, je sais pas tout de suite, on verra. On part sur... On a déjà la scierie dès le début. Avec le forestier... coupe des arbres. Ah d'accord, il coupe des arbres tout seul lui en fait. Ah, intéressant. Oui, donc il nous faut un peu les trois bâtiments de production tout de suite quoi. Bah, on va se faire justement le quartier d'en face, ça va être que ça. Donc là, j'ai ça. Hop, j'ai un recycleur. Et qui fait du recyclage dans la vie. Et une scierie. Et normalement, c'est la dèche en ressources. Ah, la scierie, elle prend de la place. C'est mort, qu'est-ce qu'elle prend comme place? Elle prend parfaitement la place. Voilà. On va tirer tout de suite quelques routes parce que ça bouffe pas de pain et qu'ils font ça rapidement les petits gars. Hop. Et que ça améliore généralement nettement leur déplacement. Tirer ça jusqu'à l'eau. Voilà. Et le bunker, bon, on pourrait le détruire. Ah mais attendez, j'ai déjà un puits. Je suis con.
bouillon, il y a déjà un puits. Ah, mais depuis le début, je me tire des balles dans le pied en fait. Annule la construction de ce truc. Du coup, tu vas venir être un deuxième réservoir. Normalement, au début, vous compactez pas trop. Et on est sur une petite route qui fait le tour. Du bunker. Voilà. Lançons cela et très rapidement on va déplacer la zone de travail. Ah ouais, non mais là c'est goldé. Là on est bien. Ah ouais ouais, en plus beaucoup moins de rats de machin. Beaucoup moins de trucs. Voilà. Ça termine des constructions. Alors oui, j'ai pas fait non plus le mec qui construit les outils, qui devient très très vite très très nécessaire ce mec. Et pour les fringues aussi, parce qu'on n'est pas si large que ça, mais bon, admettons. Oui, zone de travail. Zone de travail veux-tu? On n'a pas un peu de métal là quelque part, si je dézoome, ouais. Ouais, ici. Donc ouais, les zones de radiation sont quand même moindres, hein. Quand même... moins vénère. Il y en a en fait, mais c'est quand même moins vénère, hein. C'est quand même des moins gros trucs. Donc c'est bien. Comment ça il y en a qui n'ont pas de maison? Ah mais j'en ai pas. J'en ai pas. Non mais je me suis gouré. Recycle-moi ça. Il y a erreur. Hein. Excusez-moi, il y a erreur sur la marchandise. Colons n'ont pas de maison, TKT ils vont en avoir incessamment sous pneus. Voilà. On va avoir nous tous colons, des logements, pas de soucis. Et après rapidement faudra faire ce truc là. On va faire donc assez rapidement ce truc là dès que la maison est construite. Si ferraille machin, ouais on va vite manquer de ferraillage, voilà c'est ça. Déjà zéro en ferraille, c'est déjà une catastrophe, mais on a eu le temps de faire toutes nos maisons, tous nos bâtiments de base. Voilà, c'est parfait. Un tas a été vidé. Déjà. Ah ouais, vous êtes rapide sur le truc. Vous êtes rapide sur le truc, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Alors on sait que le métal va vite devenir un problème, donc on en met deux. On en met deux, ils vont vider ça deux fois plus vite. Les zones de travail inférieures pour ramasser les ressources. Oui, tout à fait. On est d'accord avec ça. Le château d'eau a été terminé. Ça demande de la ferraille ce truc? Ouais, putain, ça demande de la ferraille. On a peut-être dû faire attention à ce détail technique. De choix. Et ici, il y a plus de choix pour vous. C'est très proche de la colonie, donc faut épuiser ça assez vite. Je vois pas comment on voit les types de sol par contre en bon ou mauvais état, enfin bref. Dommage, on voit pas ce qui manque si. Quand je clique dessus, je vois ce qui manque. Il manque du béton. Et il manque bien sûr énormément de tôle. Quoi ? Débite-moi ça, gros. Ah, bah attends, faut que je te trouve une belle zone où il n'y a pas trop de merdouilles radioactives. Et on sera à peu près peinard. Déblaye-moi cette zone-là, en fait. Voilà. Transforme-moi tout ça en planche et après on discute. Du coup, on fait ça. Ah, bah ça, c'est bien, c'est construit. Portail est fait.
On peut accepter 3 adultes. Je les accepte. Par contre, si je les accepte, il va falloir très rapidement. Alors, Trapper, j'ai cru comprendre que lui, je pouvais pas déplacer sa zone de. Sa zone, elle est pas trop déplaçable d'après ce que j'ai compris en fait. Il faut que je te mette loin, faut que je te mette tellement loin. Si je veux être peinard, faut que je te mette loin. Je te mets genre par là. Et là on est. Là tu me fous la paix. Par contre, vu que je viens d'accepter mes premiers colons, même si j'ai pas ce qu'il faut, je peux envoyer tout de suite quelqu'un, paf, nous chercher du buff. Les colons veulent me parler, ok. Laissez essayer leur connerie. 15 de métal et 4 médicaments. Top. Top à la vachette. Pénurie d'eau. On a déjà plus assez de puir. Waouh, t'es tellement à l'équipe dès le début, quand même, t'as envie de dire tout le jeu quoi. Siri, forestier, recycleur, on a, c'est bon. Quincailler tailleur, voilà, c'est ça qu'il me faut. Excusez-moi, je bourre tout de suite. C'est comme ça, je les oublierai pas. Ah, je pourrais peut-être mettre le quincailler là-haut. Bon, à la limite, ok. On aura une double voix. C'est un style de vie. Deux autres choses, on a dit un habitat, quel qu'il soit. Ah ouais, il va nous falloir aussi. Il faut trop de trucs dès le début. Genre pareil, l'entrepôt. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de nous avoir cassé les bonbons avec un entrepôt? Vous avez 2 heures pour me répondre oui, non, peut-être. L'entrepôt est fait. La maison. La maisonnette. Et il va falloir des puits. Enfin, la maisonnette. La maisonnette, c'est un bien grand mot. Oh. Prends trop de place, ma grosse. Yes. Et toi, de ce côté-là. La maisonnette. Ça. Un puits. Un nouveau puits par ici. Pourquoi je peux pas... Ah, sur ce type de terre, je peux pas du tout. Hein, c'est parce que c'est probablement de la merde. Sinon, Osef, et je claque un puits juste à côté de lui, et en mode Osef. En mode ne saoulez pas. Qu'un puits à côté de lui. Non, tout a été fait, pénurie d'eau, machin. Non, stop. Quel tas a été vidé, s'il vous plaît. Ça, ici, c'est donc toi qui as vidé un tas. Du coup, je vais te déplacer maintenant et je vais essayer de t'en prendre un peu plus. Voilà. Ok. Idéalement, il va falloir aussi penser à un champ assez rapidement. La boucle, c'est où? Chance que j'ai l'impression que il n'y a que ça qui rapporte de la bouffe en vrai. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui ramène à bouffer. Ah, mais on peut pas à cause du type de terrain, c'est ça, 800%, c'est parce qu'on touche du terrain nul. Ouais, ça, parce qu'on touche du terrain nul. On va partir direct sur 2 champs. Moi je dis. Sur 2 champs, on dit plus quoi. Ok. Go du maïs, puis go des patates. Go des patates. Go du maïs. Très bien.
Ouais, le problème c'est que j'ai lancé 50 trucs en même temps. Et évidemment, il n'aime pas ça. Il va me falloir du béton. En sachant qu'on j'ai pas de planche. Pas de planche. Je voudrais exclusivement du béton et je voudrais m'assurer que vous me ramenez du béton. Donc je crois que tout ça c'est que du béton. Allez-y. Saison du lapin. Pas d'infirmerie. Ça n'en vaut pas la peine pour l'instant. Ah ouais, moins 5 de bonheur. Ah ouais, non, vous êtes chiant aussi. Tenez-vous un peu aussi. Respectez-vous, je sais pas, faites quelque chose quoi. On s'en fout. L'expert est prêt, sans doute. Sans doute qu'il est ready. Ouais, faut quand même cadencer, hein. Faut pas perdre. Hein. Et on a déjà quelqu'un de malade. La catastrophe. La catastrophe. Le truc qu'on voulait éviter à tout prix. Ouais. Comment je m'organise ça là? De construction terminée. Trois colons n'ont pas de maison, ce serait bien que vous finissiez ça. C'est quoi, c'est l'entrepôt? Ouais. Fait chier de vouloir mettre du béton dans l'entrepôt. Vraiment, ça m'emmerde. Par contre, si vous pouviez finir la tente médicale, ce serait super aussi. Parce que ça aussi, en vrai, il y a juste à réparer, à construire le truc. Hein. Ouais. Tu vas n'importe où. Est-ce que tu vis ta vie, y a pas d'enjeu. En fait, t'as 5 en recyclage. Oh, nice. 5 en recyclage, ça, c'est cool. Ouais, vous, j'en ai pour un moment. Vous vous occupez pour longtemps. Marchand ambulant. What else? Au revoir. Salut. Casse-toi. Dégage. Voilà, parfait. Tout le monde a une maison. Au moins, on est bien. Là-dessus, on est bien. Vous pouvez finir de me construire ça, ce serait parfait. On a dû 4 enfants. 4 enfants dans l'histoire. Ah ok, d'ici on peut voir nos experts, super. Mais on peut les affecter, genre il y a un système de niveau, pas du tout. Ça a une tête à vouloir donner des niveaux, mais statistiques de colonie, on s'en fout. On va changer de radio. On va se mettre sur Frontières Sauvages. L'arbre de techno ne sert à rien, ok. On va aller chercher les endroits tout de suite, voyons voir ce qu'on a dans les environs. De la science, ouais mais t'es nul en science toi. Ouais t'es nul en science, ça vaut pas le coup. Bon ça soigne, ça se soigne, c'est en cours. On va tranquillement récupérer notre béton. KLM j'ai envie de dire. Il y a des potes là pour l'instant, on est en train de tout arracher, tout défoncer, niquer tout. Pokémon niquer tout. Ce qui me fait penser que peut-être je commence à me placer un petit forestier. Petit forestier. Ouais. Si on est pour l'instant en sous-effectif, donc faut quand même pas trop faire le con. On est en sous-effectif. Non, clic droit, excusez-moi. J'ai toujours le réflexe du échappe. Ça m'échappe parfois. Ok, cool. Oui, cassez-vous. Allez vous faire bobo au doigt. Yes, super. Vous servez à rien. Je peux regarder si ça demandait du béton. Ça demandait du béton aussi. Bon, nice. De
de la science, de la baston. Du plastique tout de suite, j'en ai pas besoin. Du béton. On est d'accord. On est d'accord, du béton, c'est ce qu'on veut. Fun n'est pas trop là. Pandémie, direct. Direct, une petite pandémie. Moi, je propose de fêter ça avec quelques bisons. Faites les pandémies avec des bisons. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire. Ah si, les deux petites lanternes traditionnelles de l'entrée, bien sûr. Ah, on peut pas les mettre sur route. Pourquoi? Actuellement, je peux. Je peux tricher. Moi, j'ai plus le droit de tricher. On peut accepter des gens, deux adultes, deux enfants. On a la place. Hein. On prend pour l'instant. Colon, Arthur n'a pas de maison. Ah bon? Merde. Excusez-moi. Stop, arrêtez tout. Non mais. Putain. C'est quoi ça? Merde. Bon, on va lui caler une petite tente quelque part. Hein. Caler une petite tente. Par là, on a de la place. Hein. C'est par là. On va donner leurs deux médicaments qui nous foutent la paix. Ça va faire un peu de moral, je crois. Yes, les gens sont d'accord. Les gens sont en accord avec eux-mêmes. Ah oui, j'ai fait rentrer des gens. Donc du coup, j'ai un combattant spécialisé en recherche. Ah ouais, c'est nice. Ah, ça c'est bien. Du coup, ouais, je suis d'accord. 6 de move, va taper là-dedans. Voilà, parfait. Là, dans la bouche, con. Ah, le 35 d'un coup, là. Faut plus. Allez. Par contre, on s'est pris l'explosion. Mon avis, c'est prévu pour bientôt. On est déjà 20. On consomme du 15, on produit du 53. Par contre, on est vénère sur la production. Production de type vénère. C'est bon, Arthur, t'as ta petite bibcoque, t'es bien. T'es posé un peu en décalé du village sur la décharge, tranquille. Bien, bien, bien. Il n'y a déjà plus rien. Eh ben dis donc. Qu'est-ce que tu bouffes vite? Moi j'aurais peut-être dû faire celui du village d'abord. Bref, c'est pas grave. Ah, vous avez tout séché. Ok, nice. Mais je vais commencer à avoir besoin de recherche donc vas-y, viens ici. Vas-y. Très bien. Encore une fois, ma vie est nulle. Personne veut me finir ça là? Yes, quelqu'un veut bien me finir ça là, s'il vous plaît? C'est cool hein. Discute comme ça tranquille. Ah, c'est bien. Plus de ciment. Ah, ils ont séché le ciment direct. Nous on a besoin de ciment, on sèche tout. J'aurais pas tout. Oh, cool ce petit blouse. On a quoi, proxy? C'est approximativement là-bas quoi. Ah, sa proximité, mais c'est approximativement loin quoi. Alors. Allez, 200 de recherche, on est bien. On ramène tout de suite du béton. Très bien. Des colons veulent me parler. Très bien, parlons.
Autoriser cette expédition, deux colons infectés, bah niquez-vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Les colons sont malades, oui, ça arrive. Plus de tout vivre. La pandémie est là. J'ai le mec qui fabrique les outils là. Hein. Ouais, j'ai un mec hein, qui fait ça. Le disais-je aussi. Moins 4,5 en dos. Peut-être avaler un truc. Là-dedans, mais pourquoi il n'y a pas d'outils là-dedans? Il y a 11 outils, mais ah ouais, puis qu'ils sont pas en stock dedans, ils vont pas les chercher. C'est vrai que c'est des abrutis, hein, j'oublie à chaque fois. C'est vrai que sont des. Il y a ce petit côté banni, je trouve en fait les gens sont très cons. C'est toujours un peu triste. Sur un côté, le problème c'est que là, voilà, y a de la radioactivité, je suis pas fan. Ou alors tu plantes ici gros. Voilà, on trouve tout ça là. On plante ça là, on va venir. On construit une échelle de fortune, on sort de là, 4 planches, allez c'est parti. Pourquoi les réserves de nourriture sont. Quoi, réserve basse? Mais non. Mais on a deux champs quoi, c'est déjà tout bouffé dans deux coups. Mais c'est parce qu'on a plus assez de mecs en récup. Ferraillon c'est pas mal. Libère. Faut que je vois, est-ce que je peux libérer quelqu'un? Au fringue, je peux libérer quelqu'un. Tu nous sors des planches. Ouais, vas-y, on sort des planches. Ok. Ça nous fait 3 récupérateurs, on n'est pas trop mal. Ah j'ai oublié de prendre de la science. J'ai oublié de. J'ai zappé l'arc l'arbre technologique. Va juste voir. Des outils, parfait. On aime toujours ça. Ça on adore. Pas dingue quand même, hein. Faut se méfier. Ça va qu'on stocke un peu, que j'ai l'intelligence de stocker. Ira-t-on. Tas de baies vitées. Yes. On va placer la zone. Ah, c'est sympa ça. Cherchez ça. Ça va vous occuper comme il faut. J'ai toujours pas fait ce buisson là. Toujours bien. Ibi oubi. Donc on fait encore tomber aucun tas. Toujours sur le premier, c'est bien. Les grosses bastons. Est-ce qu'on a encore des malades? On a l'air d'être bien. On a moins d'occupants ici. On met moins un gars là. Je n'ai jamais assez de chis, ça c'est la question. Là, tu peux remettre un type ici. Ici ça c'est important. Pour bien. Ok. Un bandit est au portail. Qu'est-ce que tu veux toi?
14 poissons contre 5 métal. Allez, j'accepte. T'as ton truc. Oui, ma techno. Servir un jour, hein. Je vous promets. Manger en collectivité, rechercher. Nous on mange en famille. Champ moyen et grand champ. Alors je sais qu'en bouffe on est un peu limite. Donc allons-y, le grand champ, comme qu'il faut. Qu'il faut balancer le grand champ. Si c'est ce qu'il faut balancer, on va le balancer. D'urgence. Non, toujours pas échappe. N'importe, balance. D'abord savoir que tu. Mais balance. Les châteaux d'eau, jamais ils passent ici. Très bien. Ok. Alors on a un nouveau gadget, qu'est-ce qu'il vaut? Qu'est-ce que tu vaux? De puissance de... T'es nul, va te taper tes 3 nuls. Voilà, le mec on va pousser au suicide parce qu'il ne sert à rien. S'il est nul. Ok. Ramène tes outils ici. Chercher de la science. J'adore ça. Du web. Bon, du web pré-coupé. C'est pas non plus du gros web, mais c'est du web pré-coupé. Donc, deux choses. Premièrement, il va nous falloir une cuisine. Ah, une cuisine ici ou. Attends. Annule la construction de ce truc. Pourquoi je ne mettrais pas une petite cuisine là juste derrière Ah oui, parce que sinon je suis dans le puits. Ok. Donc le puits tu gênes quoi. Ok, ça marche. On recycle le puits. Voilà, merci. Bon, le puits tu me casses les couilles, tu dégages. Je t'explique hein. Je t'explique juste ce qui t'arrive quoi. Je t'étonne pas. Hop. 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 Faut quand même qu'on remette un puits hein, parce qu'il faut pas quand même pas déconner non plus avec ça. Faut pas non plus trop se foutre de la tête du monde. Voilà, on remet là. Ok, on est bien, on a un puits, on sait qu'il est perdu là-haut. Trois colons n'ont pas de maison. Ah oui, trois colons n'ont pas de maison. Des maisons nulles. Voilà. Voilà. Maisons nulles. Plusieurs tasses sont vidées. Ok, donc ils ont bouffé toutes les planches. Ici il y a bien qu'un mec, c'est bon. Ici c'est bon. Allons voir dehors. Oh, on est dans le speedrun. Hein. On est dans le speedrun, un speedrun de tous les instants. Et l'autre il a pris aucun dégât. Je veux qu'il crève parce qu'il sert à rien et il veut pas mourir. C'est un concept ça. Un concept, les gens qui veulent pas mourir. De toute façon, on a assez de tout pour tout faire normalement. Ouais, on a assez de tout pour tout faire. On est bien. 23 en population totale. 6, 12, 18, 18 et 2, 20. Bah, y a pas assez. Y a un truc que j'ai raté. Un petit groupe au portail.
Ah, ça fait beaucoup de colons. Ça fait beaucoup de colons. Alors moi j'ai tendance à distribuer les médicaments comme si on pouvait en produire, mais on peut pas en produire. Donc, si je rejette leur demande, ils vont faire la gueule. Vêtements, 4 maïs. Ah oui, on a rentré un peu par contre un peu de ressources en les acceptant. Ah oui, mais attends. 2, 2, 3, 4, j'en ai 4 x 6, 12, 24. Je peux loger 24 personnes. 24 et 2. 20. 20 pas assez. 20 pas assez. Fous-moi ça comme ça là. Fous-moi ça à eux là. Ah, ça c'est urgent. Ah non, c'est urgent, t'as compris. On part sur du végétarien, d'accord, mais il va te falloir du petit bois. Du petit bois doudou. Faut un camp de bûcheron. Et du coup il me faut deux forestiers pour faire tourner tout ça. C'est ouf hein. C'est que du coup il me faut il me faut la max quoi. Faut la grosse max quoi pour faire tourner tout ça. Du coup, est-ce que c'est pas le moment de construire un autre puits, genre juste derrière, derrière par là, tu vois. Je dis que c'est pas mal comme idée. Déplaçons des cums, toi va crever là, je sais pas. Cours là-bas là, tiens vas-y, on gagne avec là. Je vais taper dans la tronche. Très bien, il a pris des dégâts, c'est parfait. De la science. De la science mon pote. Tu sais ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé de la science, ma gueule! Cours! Cours, Forest! Ok, parfait. Oui, un seul colon n'a pas de maison, ouais. En construction sont terminées, très bien. Bah, vas-y, hein. On se lance, hein. Faut bosser, faut bosser. Une fois que ce sera fait, je vais recycler sa maison, oui. Parce que vous saoulez que ça. Voilà. Faut pas déconner, il y a cette personne con. Je sais pas ce qui a été vidé, nourriture ou... Ouais, c'est nourriture. Déplace la zone. Voilà, si on peut avoir un petit triplex ici. Justement, nourriture, on est comment? Les pêches, je voudrais savoir, ça représente combien en part? Ça représente beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup trop. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Plinx? Oh, allez, vous déconnez, hein. Arrêtez de faire les cons. Non, mais lol. Arrêtez le lol aussi. Mettez un deuxième mec là-dessus. C'est un peu le champ principal quoi. Faut bosser là-dessus. Très bien. Bah, toi je te dirais bien en rush. Tes médicaments. Très bien. Ah mais tu lui fais zéro dégâts à l'autre en face là. C'est vraiment ça? Ah mais tu vas mourir contre lui. Connard. Excuse-moi. Très bien. Tas de plastique vidé. Ah, faut que je déplace la récolte de plastique. Ouais. Ah non, c'est bon. Il était encore bon. Saison du lapin. Alors si je vous la refuse, on a gagné de gibier. Et ils sont cons. Et ils sont contents. Bah oui, on est chassés, on est contents. De con.
Bref. Mec trop vénère. De con. Fais-nous un peu de gibias là. Histoire de varier les plaisirs. On nous faire un petit peu de pas de viande là. Yes. Et ça c'est quoi? Tac tic tac tac, des légumes, des machins. Je pense que t'as tout ce qu'il te faut. Fais-nous un repas super complet. Édition illimitée. De toute façon, ici on peut pas faire plus. Parce que j'ai terminé le puits, stockage est plein. Bah, c'est pas grave, arrêtez de stocker. Qu'est-ce que je te dis de plus? Mila est malade, c'est super. On est content. Vraiment, vraiment, excuse-moi, on s'en fout, mais. Je vais faire genre, je suis concerné quoi. Toi tu vas mourir contre nous, tu pourrais quand même servir un petit peu à quelque chose avant de crever, ce serait quand même bien. On va taper là-dedans. Bien joué, c'est impressionnant ce que tu fais. Je vais le tuer sans pitié. Je me fous de ce mec, incroyable. Ok. Oui, le stockage est plein, allez vivre votre vie, faites autre chose. C'est de servir à quelque chose quoi, par exemple. Donc nous on a quoi en nouveau? On a tout fait, j'ai le petit entrepôt. J'ai pas de cabane de pêche, à la limite on peut aller se gratter un pêcheur quoi. À la limite voilà, tu vois. On va se caler un petit pêcheur par là. En mode garde la pêche ma gueule. Ah il y a le tas de bois qui gêne quoi. Tas de bois de thé, bon. Ouais, c'est chiant. C'est chiant. Le trappeur, hein, il bosse. Canne de pêche, cuisine, machin, des champs, on s'en fout. Ça, c'est bon, on connaît déjà. Pause. Je veux juste voir ce que j'ai pas encore. J'ai le camp de bûcheron ou pas? Forestier. Sierry. Qui va arriver au bout. Bûcheron. Déplacer ça. Par là genre. Donc là Siri, tu te déplaces genre juste derrière toi. Tu m'auras ça. Un groupe de colons se pose des questions à propos d'une rivière à proximité. Ouais vas-y, va faire le con. Super. Donc le camp de bûcheron, tout ça c'est fait. Le tailleur, le quincailler, c'est fait. L'infirmerie c'est fait, la fosse n'est pas faite. Je vais en faire une parce que bon moi je me connais, à n'importe quel moment je vais m'énerver et je vais les laisser crever. Ah bah là, oh, elle est parfaite, c'était sa place. Une petite fosse qui a pas besoin, le portail c'est bon, les décos, on s'en fout pour l'instant. Ah si j'ai le bras zéro, et j'ai la statue des pionniers. Incroyable. Ouais, ça va. La statue des pionniers. Le bras zéro. Vous allez voir. Ah, vous allez voir ce que vous allez voir. Vous en allez avoir pour votre pognon. Moi qui vous le dis. Putain, ça, par contre, ça coûte du métal. Hein. Je ne peux pas faire ça. Je crois que dans les trucs qui consomment rien, les buissons. Ouais, attends, j'ai cliqué dessus, j'aurais pas dû. Ce que je voulais voir, c'est. Tout ça, ça bouffe des ressources. Hein. Ça, c'est ressources, mais bon, ressources, pas grand chose. Ressources, très peu, rien. Grand buisson jaune, grand buisson vert. Je fais une place décorée. Franchement, ça fait plaisir. Franchement, vous savez que ça, ils sont pas contents. T'as trouvé des gens. Ok, tu vas briquer ça. En y pensant, on a toujours pas checké par là. Hein. C'est quelque chose quand même.
sont quand même collés à chez nous. Hein. Voilà, ça pourrait quand même nous intéresser. Bravo! Bravo Jean-Claude! Il l'a buté. Bien joué Michel. En descendant la rivière, ça a été fait comme, comme objectif. Bah écoutez, en 45 minutes, on a bien meulé le contenu. Hein. On a pas chômé. D'ailleurs, on n'a pas chômé, mais on va encore aller plus loin. On va aller toujours plus loin. Alors, production de colonies, ça peut être intéressant. Vie en collectivité, c'est très intéressant. Les cabanes et les immeubles. En sachant que moi, je veux rush. Je colle ben avant. On peut par exemple tout de suite partir sur une école. Juste avant de conclure, on lance le chantier de l'école. Et comme ça, on se moque pas du monde. L'école. Ça, on aura déjà bien rattrapé tout ce qu'on. Ce que finalement on avait un peu perdu. D'ailleurs pas un peu, on avait plutôt bien perdu. Ah c'est dommage, j'aurais pu rentrer là. J'essaie d'occuper aussi l'espace, les espaces qui pourront pas être occupés après. Là, dans le radioactif, c'est peut-être pas la meilleure des idées non plus. Et je veux pas le mettre là derrière parce que je sais que les bâtiments finaux ils sont moins gros. Après ouais, on peut aller escalader une petite école à côté du puits. Mais alors ce qui est marrant c'est qu'on peut aller construire jusque là quoi. Alors même devant là on peut. Non, le jeu il va dire à de déconner quand même. Il dit non, il y a quand même des limites à tes conneries. Mais on peut quand même gratter hein. Tard, c'est intéressant hein. Moi je gratte hein. Moi je gratte jusque là. L'école fait mur d'enceinte. Allez, l'école, c'est un mur d'enceinte. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Voilà. 21 d'eau. On consomme 27, on produit 48. Ce qui est très problématique puisqu'en cas de vague de chaleur. Bon, et on ne stocke que 1200. On va dire ouais, 1200 c'est déjà beau, mais c'est pas suffisant. Donc on va bourrer aussi un petit peu les puits dans les endroits un peu verts comme ça. Là on s'en fout un peu. Parce qu'il y a la crevasse et on foutra rien plus. Quoi. Ah mais on peut construire sur la crevasse, c'est quoi ce truc? Ah oui, il y a vraiment juste un pixel où on peut pas construire. Vas-y, construisez ici. Ouais, les aventuriers vont attendre une seconde. Je fais ça. On va lancer nos gars. On relance nos gars à chercher, par exemple. On va chercher ça, on va chercher tes planches. 40 sur 45. Beau tas de planches, hein. Joli tas de planches. Toi ici c'est fini, il n'y a plus rien. Hein? Pourquoi tu me dis qu'il y a des planches là-dedans? Hein? Ouais, le jeu il est alcoolisé. Et il me l'a pas dit. Hein. Du coup toi tu vas aller tabasser, parce que lui c'est ça, il a 3 de dev, du coup tu peux rien lui faire. On va voir si tu lui fais quand même un dégât par un dégât. Oh intéressant, encore de la science. Il va me falloir par contre un vrai combattant dans les jours à venir. Dans les prochains colons qu'on va récupérer. Ah, allez. Il va falloir faire de la bouffe. Oui, sauf qu'en fait, ouais, on a ce qu'il faut. On est juste en train de récolter. État sont vidés. Oh là, et ça s'arrête jamais. Hein. Moi, je vous jure, en vrai, ça va se finir hein, cette histoire. Attends. Depuis le début, j'en ai un ici. On va le récupérer maintenant. On a donné merde. Bon. On les aime pas, mais. Ah ouais, puis là, il y a un petit spot aussi. Hein. Un petit spot de trucs à récupérer. Là. Un petit spot en récupération, t'as vu. Pion, bien. On n'a pas de malade. Voilà, ne fait rien. On va le libérer. On déplace la zone de travail. On va éviter celle-là. On va t'emmener très loin là-bas. Ça va vous occuper tous les deux. Et normalement on est bon.
Normalement, on est bon, on est pas mal. Ah oui, et puis bah, y a pas de mort, donc tu peux te casser aussi, évidemment. De quoi? Donc, y en a une qui a pas de fringues. Et on en fait des fringues, on a ce qu'il faut. Ouais, on dira qu'elle est en train d'aller chercher des fringues. 56 sur 66, ça commence à taper là. Résumé, en 50 minutes, on est pas mal. Résumé, c'est ça, c'est le résumé. En 50 minutes, on est pas mal. Voilà. Il n'y aura plus qu'à faire un rush sur les maisons dès qu'on peut. Colonie. Il nous faut 550 quand même. Faut quand même meuler. Hein. Faut quand même meuler. Sur ce, je vous remercie. C'était Knarfang sur Comme d'habitude Gaming pour Surviving the Aftermath. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.